spectacle. L'art de chanter, c'est aussi l'art de bien rythmer les mots. Ok, t'es prêt pour une première prise? Ouais, ça va. On y va. Alors je chante... Je m'enfuis. Je m'enfuis, c'est ouais, tout. T'as 4 mesures pour dire je m'enfuis. 4 mesures? Attention! Je m'enfuis. Tu vois, tu l'as dit un peu vite, là. Bah quoi, faut chanter je m'enfuis, j'ai chanté je m'enfuis, je vais... T'as tout ce temps-là pour dire je m'enfuis. Bah c'est beaucoup trop long, mais... Ouais, mais l'auteur l'a écrite comme ça. Et qui c'est cet auteur d'Enfoiré de mes deux? Pardon? Qui c'était ça? C'est l'auteur. Ah, bonjour. Bon, on reprend et oublie pas que t'as 4 mesures pour dire... Pour dire je m'enfuis, ouais, ça va très bien aller. On y va. C'est génial, d'ailleurs. Merci. Rock'n'roll fuit. Yes, yo, yo, yes, yeah, yeah. Non, effectivement, faudra peut-être ajouter des mots, là. Peut-être, hein. Tu peux ajouter quelques mots pour agrémenter tout ça. Je veux bien essayer. Je, le soleil, l'amour, les petits oiseaux, vilebrequin, pneu de rechange, porte-monnaie, man, calculette, fuite, tondeuse à gazon, jarre à biscuit. Non, écoute, c'est pas ça, hein. L'auteur m'a dit qu'il va retravailler son texte et on va te rappeler cet après-midi. Cool. L'inverse peut se produire, beaucoup de textes pour très peu de temps. On t'est prêt pour la chanson suivante? Attends, je revise le texte, là. Le petit oiseau mélancolique, attire d'elle et en oblique, volait vers toi pour t'annoncer que j'ai bousillé ta deux chevaux. Il faut le chanter assez vite, hein. Ouais, tu me passes la musique? Ok. Non, c'est pas sérieux, ça. Ben, c'est comme ça que l'auteur-compositeur... Ah, ben, l'auteur-compositeur, c'est un trou... Pardon ? C'est un trop d'idées. Il a trop d'idées. Bon. Trop d'idées. T'es prêt ? Ouais, on y va. Le... Non, je sais pas comment je vais y arriver. On essaie encore. Le petit oiseau... Ça y est, presque. Bon, allez. Le petit oiseau mélancolique... Il s'agit d'être persévérant pour réussir. Chérie, attends d'écouter ce que j'ai réussi en studio aujourd'hui. Quoi donc ? Tiens, écoute ça. Attends... Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on n'entend pas les paroles. Bah, je te dirais que c'est une sacrée chance parce que cet auteur-là, ce qu'il écrit, c'est vraiment du caca. Pardon? Mais qu'est-ce qu'il fout dans ton lit? Tu m'as pas laissé le temps de t'expliquer. Oh non, oui, ça demande 2 minutes, 2 minutes du peuple. Pour enregistrer une belle chanson, il faut penser à la finale. Comment bien finir une chanson? Elle est partie avec le plombier. Alors qu'est-ce que t'en dis? Quoi, ça finit comme ça? Ouais. Aussi sec? Ben, je savais pas comment la finir. Ouais, écoute, on peut pas laisser ça comme ça, ça a l'air d'être coupé en plein milieu. Bon, bah écoute, donne-moi 24 heures, tu veux? 24 heures qui ont tout changé pour le mieux. Elle est partie avec l'électricien. Oui, c'est vrai que je... Et alors? Ah, tu vois la différence que ça fait? Ouais, hein? J'avoue que t'avais raison là-dessus. La finale la plus utilisée pour les chansons populaires, c'est le fondu, le fade-out, le son qui baisse graduellement. Les grenouilles bleues, oui, les grenouilles bleues. Oh ouais! Les grenouilles bleues, les grenouilles. Oh, les grenouilles bleues! Les grenouilles bleues, oui, les grenouilles bleues. Hey, hey! Les grenouilles bleues, les grenouilles. Hey, les grenouilles bleues, les grenouilles bleues, oui. Oh, on en a assez maintenant? Non, j'en ai besoin d'un peu plus pour le fade-out. Oh, grenouilles bleues. On en a assez maintenant? Encore un petit peu. Bon là j'en ai marre. Bon, ça devrait aller là. Ouais. Et toi t'as déjà chanté avec un doigt dans le cul? T'es malade, on est en pleine session. De toute façon on en a suffisamment pour le fondu, hein, ingénieur. Je devrais me débrouiller, ouais. T'es sûr? Ben je crois. T'es sûr ou t'es pas sûr? Car effectivement faut être sûr, la carrière du groupe en dépend. Merci, merci. Nous avons une composition. Bon d'accord, voici les grenouilles bleues. Une autre finale qu'on retrouve plus dans le blues et le rock, cette espèce de finale crescendo où tous les musiciens s'en donnent à cœur joie. So I went to the toilet. Oh thank my god, my baby was there. I didn't dare to imagine you were there, baby. À l'écoute de certaines chansons, on peut déduire que le compositeur a eu du mal à se trouver une finale. Un grand coq sur ses ergots et le lapin ronron petit patapon à la ferme de Monsieur Dupont. Yeah, rock and petit patapon. Et le lapin à la ferme de Monsieur Dupont, rock and. Parmi les techniques de l'art de chanter le jazz, il existe celle qui consiste à chanter des phonèmes plutôt que de vraies paroles. On appelle ça le scat. Quand je suis entré dans ta chambre, tu avais ton petit déshabillé ombre. Et tu étais étendu.
avec ce trou du cul. Je m'en déclis, bon, tout fait, tu t'as pas dit cacao, tu t'as pas dit de blague, la gloire, 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 la gloire. Il faut dire que cette technique peut aider un chanteur à se tirer d'affaire si, par exemple, il oublie les paroles de sa chanson. Merci, merci. Alors, je vous chante ma petite préférée. Au clair de la lune, mon ami Viviero, et le scat peut nous tirer d'affaire dans différentes situations. Alors comme ça, tu bossais hier soir? Hein? Ouais, il y avait beaucoup de travail. Alors qu'est-ce que ce slip fait dans ta voiture? Il est pas à moi. Je sais pas moi. Alors, tu m'expliques? Fais-moi descendre ici. Et ça peut même nous aider à nous tirer d'affaire dans certains métiers. Monsieur le ministre, ça ne répond pas à ma question. Un chanteur internationalement reconnu pour le jazz scat, Eddie Jefferson. Le scat est plus présent aux États-Unis que partout ailleurs. Ben vas-y, avance, hein? Le feu est vert. Oh merde, c'est vrai. T'attends qu'on klaxonne? Putain, c'est Eddie Jefferson.